Salut les fans, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une petite vidéo. En fait, depuis le temps que je regarde dans mes bouquins pour trouver des erreurs à droite et à gauche, je suis retombé sur ce bouquin que j'ai depuis un petit moment et que je n'avais jamais déballé parce que mon frère avait le même et du coup je savais ce qu'il contenait et du coup je me suis dit bah je vais pas l'ouvrir quoi. Et là du coup bah je me suis dit bah allez, on va l'ouvrir ensemble et on va regarder dedans pour ceux qui ne l'ont pas. Alors je vais l'ouvrir super proprement, parce que j'aimerais bien remettre le blister dessus par la suite. J'ai réussi à l'ouvrir proprement, je vais pouvoir l'emballer par la suite. Alors à l'arrière, nous avons cette feuille là, que nous ne retrouvons pas ici, évidemment. Et donc là, il est noté sur cette feuille, que ce qu'il contient peut être vendu séparément, enfin bref, ça et tout. Mais il prévient surtout que les CD qu'il contient, donc celui qui est rond, on s'en fout, il n'y a pas de problème, mais celui qui est découpé, pour ceux qui achètent le CD, parce qu'on peut l'acheter au détail aujourd'hui, on peut très bien le trouver sur eBay et compagnie, mais ceux qui achètent le bouquin avec le CD, ce genre de CD, si vous n'avez pas le feuillet, vous ne pouvez pas forcément le savoir, il ne faut surtout pas le mettre dans un ordinateur, ni dans un lecteur en fait, d'autoradio ou quoi que ce soit. On peut le lire uniquement dans les lecteurs qui ont le centreur au milieu pour pouvoir plugger le CD. Parce que ça, si vous le mettez dans votre PC ou dans votre autoradio de voiture, vous allez le flinguer. Il n'a pas la forme qu'il faut. Il va tourner dans tous les sens, il va tout péter. Donc surtout, faites attention avec ce genre de CD. On va le voir après à l'intérieur, vous verrez bien. Alors, c'est un bouquin assez original. Là, nous avons le CD découpé. Alors regardez, je vous montre bien. Regardez la forme qu'il a. Vous voyez, c'est pas un CD rond. Donc ça, faut pas le mettre dans un autoradio ou quoi que ce soit. Vous allez tout dégommer. Faut vraiment faire attention avec ça. Celui-là, pas de souci. C'est un CD rond standard qui contient la chanson Plus près de vous. La chanson qui est dans l'album Ce que je sais. Et donc, en contre, l'originalité de ce livre, c'est que ça reprend en fait des articles de journaux. De VSD, Télé 7 jours et compagnie. Oui. Ça, c'est par exemple quand Johnny avait fait ses confessions. En fait, comme quoi il prenait de la drogue, ça avait fait qu'il prenait de la cocaïne et ces choses-là. Et ça avait fait ça avait fait la une du monde en 98. Voilà. Donc c'est intéressant de retrouver l'article complet dans un papier qui ne va pas s'effacer, parce que le papier journal, c'est un papier très salissant et très fragile. Donc ça, c'est vraiment c'est un bon livre pour ça, quoi. Il est vraiment sympa. Là, le Figaro, l'Express, voilà. Tout ça, c'est sorti avant le Stade de France, hein. C'était pour promouvoir le Stade de France. Hein. Voilà, on voit les articles, VSD encore, François. Là, une très belle photo de Johnny à double page. Ça, c'est sur le tournage du clip Ce que je sais à New York. Alors, c'est des pages assez épaisses. Hein. Vraiment, c'est de la bonne qualité, quoi. Voilà, Gala, voilà, non, c'est... Le Figaro. Télé 7 jours. Bon, il y a certains textes, il vaut mieux avoir une loupe, hein, parce que c'est vraiment écrit très petit, quoi. Mais bon, c'est vraiment sympa d'avoir une rétrospective de toutes les presses qu'il y avait eu dans l'année 98, avant le Stade de France, en fait. Voilà, et là, c'est la dernière page. Voilà pour ce petit bouquin plus près de vous. Voilà. Donc ça faisait des années que je l'avais pas vu. Je le connaissais parce que mon frère l'avait. Donc c'est limité numéroté. Moi j'ai le numéro 544. Ça faisait des années que je l'avais pas vu. Et non, ça fait plaisir de reparcourir ce livre. Et bon, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas de lecteur en fait approprié pour lire ce CD. Où dedans il y a une interview de Johnny. Voilà. Donc il faudrait que je me chope un lecteur, et au pire, comme ça je pourrais vous le diffuser. Voilà les amis, allez, je vous dis à la prochaine, ciao!